Ah, te voilà enfin! Eh oui, un meunier peut aussi être très savant. Je sais, c'est surprenant. Mais que croyais-tu? Que je restais assis, les bras croisés, à regarder mon grain se moudre? Mais non! Vois-tu, j'en ai passé des heures à étudier notre langue. Mais voilà, après toutes ces années passées enfermées dans ce moulin, je ne m'y retrouve plus. Allez, nous avons du pain sur la planche. Par quoi commence-t-on? Choisis une épreuve. Regarde ça. Je n'ai plus qu'une partie des mots. Aide-moi à retrouver les mots d'après leur définition. Non, 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 ça ne va pas. Il y a sûrement une faute à la fin du mot. Sauras-tu m'aider à faire le tri parmi ces listes? Aide-moi à compléter les mots avec la bonne écriture du son. Allez, Kim et moi, on te donne un tuyau. Tu t'en vas déjà? À bientôt! Te voici, jeune personne. Je vois bien ton air surpris. Qui aurait dit qu'un fermier serait aussi passionné de lettres, de mots et de grammaire? Pourtant, du temps où l'on vivait encore en paix dans ce beau pays, je passais mon peu de temps libre à écrire et à réfléchir à la langue française. Et j'ai moi aussi apporté ma contribution à l'élaboration des règles de grammaire. Mais voilà, quand frère Jean m'a jeté ce sort, mes travaux ont été fichtrement endommagés. Je compte sur toi pour m'aider à retrouver les données effacées ou mélangées. Allez, saisissons le taureau par les cornes. Par quoi commence-t-on? À toi de choisir. Non, mais regarde-moi ce travail! Il y a des anagrammes dans mes phrases. Aide-moi à trouver le mot dont les lettres ont été mélangées, puis corrige-le. Bien vu! Mes listes de mots ont été découpées et mélangées. Peux-tu m'aider à reconstituer les mots? Waouh! C'est épatant! Parbleu! Il manque des morceaux! Mais tu vas sûrement réussir à choisir la réponse parmi les différentes propositions. Merci pour ce dur labeur. Allez, à bientôt. Tiens, tiens, mais c'est notre jeune ami qui vient tenter sa chance au pays d'Antilangue. Ah, tu sais, j'en ai passé des heures penché au-dessus de mes chaudrons bouillonnants ou plongé dans mes vieux livres. Mais maintenant, que faire? Je tourne en rond, enfermé dans mon laboratoire. Je ne sais plus trop où j'en suis. Ce maudit frère Jean m'en a fait voir de toutes les couleurs. Si tu m'aidais à remettre un peu d'ordre dans mes idées, je suis sûr que tu vas y arriver. J'en mettrai ma main au feu. Commençons par ces manuscrits. Il va falloir que tu m'aides à compléter mes textes. Eh bien, que veux-tu faire? Je parie que tu meurs d'envie de connaître notre histoire. Eh bien, je vais te la dire. Tiens, on en profitera pour écrire les mots qui se sont effacés dans mon vieux grimoire. Je vais te raconter l'histoire du pays d'Antilangue, notre monde. Superbement juste. Ceci se passait il y a plusieurs siècles. Juste ciel, c'est raté. Il y a sûrement une faute au début du mot. Ceci, se passait, il y a plusieurs siècles. Tu es magique. À l'époque, dans la belle et douce France, les gens étaient peu instruits. Superbement juste. Tu sais, avec le temps, ma vue baisse. Tu veux bien écrire ces quelques phrases pour moi? Mais attention, hein, il ne faut pas faire de faute. L'avion vole dans le ciel. Point. Grâce à toi, la malédiction d'antilangue prendra-t-elle fin? L'enfant... C'en est fini pour aujourd'hui. Bonjour, jeune brebis égarée. Que viens-tu faire dans ce pays maudit? Ah, tu dois être la jeune personne envoyée pour nous délivrer du mauvais sort. J'ai toujours su que nous serions exaucés. Remettons ensemble un peu d'ordre dans mes archives, car il se passe des choses pas très catholiques, comme on dit. Tant de dur travail, tant de peine, pour arriver à un tel chaos. Nous comptons sur ta fraîche intelligence pour nous aider à résoudre ce désordre. Quelle sera ta première tâche? Quel sera ton premier choix? Quel sacrilège! Un intrus s'est glissé dans chacune de ces listes. Sauras-tu le retrouver pour moi? Courage! Tu vas bien finir par y arriver! À cause de frère Jean, nombreuses sont les erreurs qui faussent ces phrases. Aide-moi à les repérer et les corriger. Tu es béni. Voilà que des mots entiers ont disparu. Aide-moi à faire le bon choix pour compléter ces phrases. Courage! Tu vas bien finir par y arriver! Tu t'en vas? Adieu! Quelle joie de te voir enfin! Longtemps je t'ai attendu. Me voilà défigurée, et seule, tellement seule, par la faute de ce malhonnête frère Jean. Quel rustre, quel goujat! Les mots me manquent pour décrire un tel malheur. Je suis une des rares femmes ayant contribué à l'élaboration des règles de grammaire, et voilà mes efforts réduits à néant par un grossier personnage. Toi seul peux m'aider à rétablir l'ordre dans la langue française et me redonner charmante figure. Par quels travaux souhaites-tu commencer? À toi de décider. Regarde bien. Il manque des morceaux. Choisis la proposition qui permet de combler l'espace vide. Regarde les mots qui défilent et mémorise-les bien. Ils te seront ensuite fort utiles pour compléter les phrases. Non, non, ce n'est pas bon. Il y a sûrement une faute à la fin du mot. Sacha et moi, nous sommes très fiers de toi. Tu me quittes? Reviens bientôt.